est 5 heures du matin au quartier Gaiman à Parakou. Affluence autour du seul puits qui alimente ce quartier et ses environs en eau. Mokhtar, un écolier de 10 ans, s'évertue à remplir son seau de l'eau pour sa toilette avant de prendre le chemin des classes. Dame Baké est commerçante. Elle a parcouru 5 km à la quête de ce liquide précieux. À Gaiman et dans plusieurs quartiers de la ville, le problème de l'eau se pose avec acuité. Il y a certaines localités qui, dans la commune de Parakou, ne profitent pas, ne bénéficient pas de l'accès à l'eau potable. La couverture en eau consommable de la ville de Parakou n'est pas des plus réluisantes. D'ailleurs, les chiffres en disent long. Nous oscillons autour d'un taux de desserte de 39,7%. Donc moins de 40% de la population en milieu périurbain ont accès à l'eau potable. En zone urbaine, la SONEB, Société nationale des eaux du Bénin, principale fournisseuse des ménages, est loin de combler les attentes de ses abonnés. Actuellement, nous avons besoin de 600 mètres cubes pour alimenter toute la population. Actuellement, pendant la saison sèche, 600 mètres cubes. Et ce que nous sortons de traitement actuellement, ça fait 400 mètres cubes. Vous convenez avec moi que ça ne peut pas couvrir entièrement et toutes les populations au même moment. La souffrance des populations à accéder à l'eau potable ne laisse pas indifférentes les autorités de la ville de Parakou et ses partenaires. En 2016, la signature d'une nouvelle convention de coopération décentralisée entre Parakou et Orléans prévoit l'application de la norme ISO 24510 permettant l'accès à l'eau et à l'assainissement de la population de Parakou. En termes de dispositions pratiques que les différentes autorités de la ville de Parakou ont toujours prises pour pouvoir assurer cette ressource à toutes les populations de la ville, on peut citer notamment la mise en place des normes ISO dans la commune de Parakou, à savoir la norme ISO 24510 qui porte sur les services aux usagers d'eau et d'assainissement, la norme ISO 24511 qui porte sur les services d'assainissement et la norme ISO 24512 qui porte sur l'approvisionnement en eau potable de façon générale. En dehors de ses partenaires techniques et financiers, la municipalité de Parakou exerce ses prérogatives avec une chaîne d'acteurs, les acteurs du secteur privé et les services déconcentrés de l'État. Pour ce qui concerne le secteur privé, les relations avec la commune sont essentiellement contractuelles. Les bureaux d'études et de contrôle, par exemple, il s'agit essentiellement des travaux de réalisation des ouvrages, n'est-ce pas? Et les délégataires, les fermiers, eux, ils sont chargés de la gestion des ouvrages réalisés. Pour ce qui est des artisans réparateurs, ils sont en charge de la maintenance et de l'entretien des ouvrages. Et bien évidemment, ils ne peuvent pas intervenir sans l'intervention des vendeurs de pièces. La SONEB, Société nationale des eaux du Bénin, assurant la maîtrise d'ouvrages délégués, est à pied d'œuvre pour une couverture intégrale en eau de la ville. On a fait des projections dans la ville par rapport à un certain nombre de quartiers qu'il faut alimenter, dans lesquels il faut mettre les conduites en place pour permettre l'approvisionnement en eau potable de ces populations. Toutes ces données-là ont été quand même prises en compte lors de l'étude de faisabilité, lors des études techniques détaillées qui a débouché sur le projet qui est actuellement en cours à Parakou. Le service d'hygiène et d'assainissement de base
apporte une assistance conseil à la mairie et veille à une meilleure qualité de l'eau fournie aux ménages. Il assure une bonne hygiène et un assainissement du cadre de vie aux populations. Nous essayons nuit et jour d'être au contrôle de la qualité de l'eau. Et là, on veut assurer la population de Parakou que l'eau qu'elle consomme est une eau de qualité parce que nous faisons la contre-expertise de ce que la SONEP fait pour garantir une eau potable à la consommation. Nous avons des points stratégiques dans Parakou où, au niveau de ces points-là, nous faisons régulièrement des prélèvements et nous faisons des analyses pour confirmer vraiment que l'eau de la SONEP est une eau de qualité. Et c'est la même chose qu'au niveau des producteurs d'eau, c'est également la même chose qu'au niveau des forages. Donc nous faisons des prélèvements, nous analysons et nous voyons la potabilité de l'eau sur toutes les chaînes de contamination de l'eau, notamment à savoir le puisage, le transport, la conservation et la consommation de l'eau. Donner de l'eau aux populations enclavées est la préoccupation du service départemental de l'eau. Il travaille avec les bureaux d'études et de contrôle pour une eau exempte de tout préjudice à la consommation. Quand nous réalisons nos ouvrages, avant de mettre en service ces ouvrages-là, nous analysons la qualité de l'eau pour voir si les populations peuvent être à l'aise et prendre correctement cette eau-là. C'est la condition qu'il faut d'abord remplir pour mettre en service les ouvrages hydrauliques. Donc par rapport à ça, l'entreprise qui s'est chargée de forer doit venir analyser et contrôler la qualité physico-chimique et bactériologique de l'eau. La mairie de Parakou, avec l'appui de ses partenaires, fait de l'accès à l'eau pour tous son cheval de bataille. En zone périurbaine, les ouvrages de fourniture d'eau sont déjà perceptibles. Il s'agit des pompes à motricité humaine, des postes d'eau autonomes et des adductions d'eau villageoise. Au total, nous avons, pour ce qui concerne les ouvrages simples, 16 ouvrages en cours de réalisation, dont 8 achevés. Et les 8 achevés ont été financés par le partenariat Parakou-Orléans. Les 8 autres sont sous financement de la commune à travers les fonds FADEC. Il y a un projet de réalisation de 3 AEV, 3 adductions d'eau villageoise réparties dans les 3 arrondissements de la commune de Parakou au titre de l'année 2018. En dehors des AEV, la commune a acquis un camion foreur. Après la réalisation des ouvrages, des formations sont données de façon cyclique aux différents acteurs, depuis la production jusqu'à la consommation. Ceci grâce aux agents d'intermédiation sociale. L'assainissement au niveau des points d'eau. Donc, à chaque fin du mois, nous regroupons toute la population pour les sensibiliser sur l'hygiène autour du point d'eau, parce que les comportements humains peuvent altérer la qualité de l'eau. La formation prend aussi en compte les producteurs d'eau conditionnée. Un secteur en pleine croissance dans la commune, source de nombreuses maladies hydriques. C'est pour prévenir ces problèmes-là que toutes les unités de production ont été répertoriées et localisées, de même que leurs promoteurs, avec l'appui technique des services déconcentrés de l'État et surtout le soutien financier du partenariat Parakou-Orléans. Les promoteurs d'eau conditionnée de la ville de Parakou on met une association digne du nom, reconnue par l'État. C'est-à-dire que nous ne sommes plus totalement dans l'informel comme auparavant. L'eau conditionnée dans les sachets est consommée presque par toute la couche de la population. Même les autorités en consomment. Je n'en doute pas. Surtout, après que la mairie nous ait invités à apprendre les techniques de production d'eau de bonne qualité. 25 ans déjà que le partenariat Parakou-Orléans est en marche. La ville française est aux côtés de la municipalité de Parakou pour mener à bien les projets décidés en commun. Elle met à disposition son appui technique et financier. On a été formé à plusieurs reprises avec le partenariat Orléans-Parakou.
on a un contrat avec la mairie qui, à son tour, nous dit de venir intervenir dans 24 heures. Les populations, principales bénéficiaires du fruit de cette collaboration, se réjouissent aujourd'hui de la disponibilité de l'eau, mais elles ont toujours la main tendue. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF, 30% de la population mondiale n'a pas toujours accès à l'eau consommable. Face à cette situation, la commune de Parakou, avec le soutien de ses partenaires, s'est engagée depuis quelques années à renverser la tendance. C'est ce qui motive la réalisation des infrastructures hydrauliques de bonne qualité à travers la commune. La disponibilité et l'accès à l'eau potable est sa priorité. Alors, elle se donne depuis quelques années les moyens de sa politique pour soulager la peine des populations.